Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, il me revient à la fois la charge et l'honneur d'introduire ce 14e cycle des conférences Droit, Liberté et Foi. Ce cycle est consacré à une réflexion sur la place de l'argent dans notre société, dans notre échelle de valeurs, dans notre ensemble de besoins et de désirs. Aujourd'hui. Notre thème est ainsi libellé L'argent, jusqu'où et à quel prix. Tout à l'heure, Son éminence, Monsieur le cardinal 23, introduira ce sujet avant que les deux conférenciers de ce soir, le père Antoine Romanet et Monsieur Juillet, vous disent, selon des titres que j'évoquerai dans un instant, quel est leur sentiment sur cette question. Le père Antoine de Romanet est ancien curé de la paroisse de Saint-Louis de France à Washington. Ce qui, ce qui m'évoque, mon père, l'idée que quand on connaît bien les États-Unis, on a une idée, je ne sais pas laquelle, vous nous le direz, de, de la sacralisation de l'argent. Vous êtes aujourd'hui curé de Notre-Dame d'Auteuil et directeur du département Recherche sur la société, la liberté et la paix du Collège des Bernardins. Vous avez choisi comme intitulé de votre conférence L'argent dans la Bible, première idole. Après votre intervention, c'est vous, M. Jouillet, qui prendrez la parole. Tout le monde vous connaît, ou du moins nombreux sont ceux qui vous connaissent. Vous êtes originellement inspecteur général des finances, mais vous avez une vie je ne dirais pas contrastée, mais extraordinairement complète, puisque vous avez été ambassadeur, ministre des Affaires européennes, et je finis par l'essentiel à mes yeux, puisque vous avez été aussi avocat. Vous êtes aujourd'hui président de l'autorité des marchés financiers, bien connue sous le sigle d'AMF, mais vous êtes aussi enseignant, ce qui est toujours une trace de générosité. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'ENA dont vous avez été il y a quelques années l'élève et vous êtes aussi ne serait-ce que par toutes ces fonctions et ne serait-ce que parce que vous êtes celui qui dirige l'autorité des marchés financiers vous êtes un homme qui qui connaît l'argent mais votre passé que j'évoquais à l'instant montre que vous ne l'avez pas choisi comme maître. Vous avez d'ailleurs de, de, Décider d'intituler votre propos L'argent, valeur absolue. Je n'ai pas vu le point d'interrogation. J'imagine <laughs> que c'était probablement un oubli. En réalité, le titre de notre réunion de ce soir, L'argent jusqu'où, à quel prix, n'est pas une condamnation. Il y aurait quelque chose peut-être d'un peu facile, d'un peu manichéen, à opposer d'un côté l'argent sale et d'autre part, la pauvreté sainte. Nous savons que nous avons la nécessité de répondre avec un sens de la responsabilité aux devoirs élémentaires qui sont les nôtres, ne serait-ce que pour faire face à la vie et à celle de ceux qui dépendent de nous. Nous n'entendons pas nous inscrire dans un processus qui consisterait au fond à à rejeter la vie, ce qui serait une manière de ne pas assumer le statut de l'homme et du citoyen dans l'histoire. Quand ce sujet m'a été transmis, j'ai songé à ces vieux vers de Corneille, où finalement Paul aspirant à une sorte de désimagination, disait honteux attachement de la terre et du monde, que ne me quittez-vous quand je vous ai quitté, ce qui est peut-être l'extrême des choses auxquelles il faut savoir échapper. Et la question qui se pose est celle de savoir s'il n'y a pas plus de vertu à résister à la sacralisation de l'argent qu'à opter pour un pur et simple renoncement. Lorsque l'on a au fond non seulement un destin, mais peut-être un devoir d'être un homme du siècle, il y a des tentations, des nécessités, elles ont parfois le même objet, et c'est l'équilibre entre l'un et l'autre que nous devons trouver. Il est clair que nous ne pouvons néanmoins pas échapper à une forme de défiance nécessaire. Cette défiance nécessaire, elle consiste à nous méfier de la tentation de reconnaître l'argent comme la finalité d'une vie, comme le triomphe du quantitatif. Un peu comme si, et c'est au fond la même idée, L'argent mesurait non seulement la valeur des choses, mais était aussi le critère de la valeur de l'individu. Il y aurait là un je ne sais quoi de réification de l'être, entendons le mot sous toutes ses acceptions, et j'avais un peu le sentiment d'entendre par-delà le temps mon vieux maître de philosophie Maurice Clavel qui disait Il est dangereux. De vouloir voir en toute chose le nœud, le noyau d'une cathédrale. Et il pensait essentiellement à l'argent. J'ai trop parlé puisque mon rôle n'était que de présenter les orateurs. Et je crois, monsieur le cardinal, que vous allez dans un instant nous faire l'honneur d'ouvrir cette réunion. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir au collège des Bernardins comme nous l'avons fait au cours des années passées pour une séance ce soir et une séance la semaine prochaine de cette série de droit, liberté et foi. Depuis les analyses et les hypothèses de Max Weber et de ses épigones le lien entre la religion et la gestion du monde économique n'est plus à établir. Chacun a son idée sur le sujet et le choix qui a été fait du thème Le pouvoir de l'argent et le droit est d'autant moins surprenant que l'actualité durable de la crise financière fait ressortir avec une acuité particulière un aspect parfois, trop souvent, négliger des échanges économiques dont l'argent est à la fois une mesure et un symbole. Cet aspect que l'on redoute souvent d'évoquer est le suivant, l'argent n'est pas une réalité neutre. Il a sa propre dynamique, il a sa puissance de séduction et sa puissance de domination qui peut aller jusqu'à une maîtrise exclusive de l'existence qui le promeut insidieusement à la fonction divine le veau d'or est toujours debout mais la tradition chrétienne ne se borne pas à rappeler cette symbolisation idolâtrique qui ressort des écritures au point que Jésus en fait l'antithèse de Dieu lui-même nul ne peut servir de maître dieu est l'argent L'Église a élaboré une réflexion morale et casuistique sur les conditions de la manipulation de l'argent, sur sa fonction sociale et sur sa finalité morale. Pour garder sa liberté de jugement et d'action, l'être humain doit exercer une réelle maîtrise sur les biens dont il dispose et notamment sur l'argent. Et à défaut d'exercer cette maîtrise, il se trouve inféodé. Et soumis. Va-t-on sortir de cette aventure en spécialisant les fonctions sociales, certains se gardant purs des transactions de l'argent et d'autres étant sacrifiés à la prospérité commerciale et économique Ce fut une tentation récurrente dans un certain nombre de sociétés au cours des âges. Peut-on au contraire développer une philosophie de l'économie qui arrache le maniement de l'argent à la malédiction des idoles Cette voie a trouvé son expression dans la réflexion chrétienne des siècles récents. On en a même fait un corpus théologique sous le titre de doctrine sociale. L'argent en tant que symbole et moyen de pouvoir est aussi... Une des réalités qui marque la vie de nos sociétés et donc dont le droit a à connaître. Qu'il s'agisse du droit des familles ou du droit des sociétés, l'expression des biens possédés, partagés, transmis ou spoliés occupe une place non négligeable dans les différents qui vont jusqu'au prétoire. Y a-t-il une approche juridique spécifique de l'argent Peut-il y avoir une justice sereine sur l'argent Enfin, une des formes de la domination de l'argent sur notre culture est qu'il est devenu quasiment le marqueur exclusif des valeurs reconnues. La professionnalisation de presque toutes les fonctions de solidarité sociale et leur évaluation en termes de salaire et régulation administrative semble vider peu à peu nos relations humaines de leur capacité de don et de gratuité. Saurons-nous réguler les relations humaines pour faire mentir l'adage ⁇ tout s'achète et tout se vend ⁇⁇ Comment reconnaître la valeur des services gratuits, non seulement dans le domaine moral, mais aussi dans le domaine des productions. Cet ensemble de questions que je viens seulement d'évoquer nous invite à ouvrir une réflexion dont nos trois soirées ne seront, je suis sûr, non seulement pas le terme, mais plus probablement un commencement. Je vous remercie. Pierre-Antoine de Romanet, le cardinal 23 dit que l'argent n'est pas une réalité neutre. Serait-ce une tentation diabolique? In God We Trust, all the other pay cash. In God We Trust, c'est l'inscription qui a sur tous les billets de banque américains, les dollars émis par la Réserve fédérale. C'est un commerçant américain qui avait inscrit ça derrière son comptoir. Nous avons confiance en Dieu, mais pour tous les autres consommateurs, c'est cash. Et ça dit beaucoup sur l'argent et sur les hommes. De tous les biens matériels, l'argent est celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est invisible, universel, sans limite. Son usage et sa valeur sont fondés sur la confiance. Il est partout disponible. Et parce qu'il ressemble à Dieu, et parce que nous risquons de le confondre avec Dieu, en portant sur un objet fini un désir infini, nous risquons toujours de faire de l'argent une idole, c'est-à-dire que nous risquons de nous tromper de maître. Résumant son analyse du système capitaliste, Karl Marx évoquait l'image trinitaire. Dieu le Père, le capital, engendre en permanence Dieu le Fils, l'intérêt. Qui s'unit au père pour ne faire qu'un, sous la forme de l'accumulation du capital. Nonaes sed fides. Ce n'est pas du métal, c'est de la foi. C'est la formule gravée sur les anciennes pièces de monnaie maltaise. Cette foi publique dans la valeur de la monnaie, cette confiance nécessaire aux échanges monétaires, est au cœur même de ce qu'est l'argent. Tout est une question de confiance. Et dans le cas de l'argent, la confiance se mesure, puisque le taux d'intérêt mesure la confiance que vous fait votre banquier. Moins il vous fait confiance, plus il vous faites payer cher. De même que le taux de change mesure tout simplement la confiance relative des acteurs dans les différentes économies. C'est la seule chose qui explique les parités respectives du dollar, du yen et de l'euro. La confiance, toujours la confiance, encore la confiance. Dieu et l'argent clairement ne sont pas sur le même plan. Dieu est le bien et lui seul. Dieu seul est le bien par excellence, de façon totale, absolue, en pleine lumière, en pleine pureté. L'argent est un bien, ni le bien, ni le mal. L'argent n'est pas bon ou mauvais par lui-même, mais il y a un bon et un mauvais usage de l'argent. Un usage qui rend l'homme esclave des biens matériels et un usage qui libère l'homme en remettant l'argent à sa juste place. En d'autres termes, il s'agit d'ordonner la fin et le moyen, il s'agit de ne pas confondre l'outil et le but. Nous sommes à Paris, le 5 octobre 2011, et l'argent n'a jamais été aussi présent et inquiétant. Nous sommes dans un temps d'excès d'argent. La puissance de l'argent aujourd'hui ne se compare pas à celle d'il y a 30 ans, lorsque j'étais l'élève de Jean-Pierre Jouillet. La situation actuelle ne se compare avec aucune autre période des siècles passés. Il se passe quelque chose de nouveau et de spécifique qui appelle un discernement pour aujourd'hui. L'actuelle dépression spirituelle de l'Europe occidentale. Tous les indicateurs d'opinion le montrent, la dépression sociale, l'incertitude du présent et l'angoisse du futur n'ont jamais été aussi explicites, très particulièrement en France et en Allemagne. Et il nous faut faire ce soir, refaire l'expérience de la puissance de la parole de Dieu pour notre monde aujourd'hui une puissance de vie de lumière de confiance de fécondité pour qui veut bien ouvrir son intelligence et son cœur l'argent idole par excellence c'est le moment d'ouvrir le plan que vous avez entre les mains une idole du d'or et de ses manifestations contemporaines une idole, c'est une réalité de ce monde qui passe, devant laquelle je me prosterne, comme si elle était dans la capacité de me donner le salut et la vie éternelle. Maman, ce n'est pas l'argent, c'est l'idole de la richesse. Et nous connaissons tous l'épisode du Veau d'Or au chapitre 32 du livre de l'Exode. Alors nous pouvons bien en sourire avec le recul du temps, de ces Hébreux qui se prosternent devant un veau en métal fondu. Est-ce que nous sommes beaucoup plus malins aujourd'hui Que signifie que les ingénieurs les plus brillants et nombre de grands commis de l'État soient partis depuis le milieu des années 80 vers une banque et une finance devenue folle Je parle ici devant l'ancien responsable du corps des inspecteurs des finances. Que signifie cette débauche d'intelligence, cette débauche d'imagination, de réflexion, attelée 12 heures par jour, non pas à produire ou à créer de la richesse, mais à parier sur des indices et à anticiper des niveaux de valorisation, en sacrifiant le meilleur de leur énergie aux primes et aux bonus qui n'ont que peu à envier au veau d'or du livre de l'Exode. Rien de nouveau sous le soleil. La tentation est toujours aussi forte et les plus agiles sont bien les premiers à s'y précipiter. Lorsque l'argent est maître, l'homme est son esclave. Le cardinal vient de le rappeler, cette citation de Luc, aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Servir un maître, c'est prendre le point de vue de ce maître pour gérer tout le reste en fonction de celui-ci. Et très vite, lorsque l'argent est mon maître, je transforme les autres en argent. Je restructure, je désinvestis, je débauche, j'affiche des résultats et je revends à plusieurs fois la mise après avoir pillé et saccagé le bien et la vie de mes frères. À l'oubli de Dieu succède bien vite l'oubli de l'homme. Qui est le maître Où sont les esclaves Le drame de la cupidité. Le terme de cupidité désigne dans la Bible une convoitise violente et presque frénétique, portant en premier lieu sur l'argent au mépris des droits du prochain. C'est la folie de la créature voulant se faire l'égal du créateur. Et pour Saint Paul, qu'il s'agisse du profit matériel ou qu'il s'agisse du plaisir des sens, on se sert du prochain au lieu de le servir. Voilà pourquoi l'argent est un risque. L'argent donne une illusion de puissance et de domination, une illusion de privilège et de droit. Jésus n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Il a déclaré qu'il est dangereux. Nulle part il n'a affirmé que la richesse était un mal, mais il a clairement montré que c'était un risque. Il ne nous a jamais défendu de nous en servir. Nous sommes simplement appelés à ne pas nous y. À servir. Le Christ nous rappelle que l'argent est trompeur en nous faisant croire à une fausse sécurité parce que c'est folie de s'appuyer sur des biens périssables. Gagner l'univers n'a pas de sens si c'est au prix de son âme. Lorsque l'argent devient une fin pour lui-même, lorsqu'il ne renvoie pas à autre chose que lui-même, s'installe une fascination diabolique. Au lieu de jouer son rôle de symbole qui réunit, l'argent joue alors le rôle contraire, celui du diable qui sépare et isole. La parabole des trois du semeur dans les trois des évangiles synoptiques met en scène l'argent dans cette logique mortifère où les épines désignent le souci des richesses, voire leur séduction. Le séducteur capte le désir et invite au narcissisme. Il joue avec les effets de miroir et enferme le sujet dans une autonomie illusoire. L'argent a pour risque une distorsion de mes relations avec les autres et avec le tout autre. L'argent peut en venir à tout diviser en nous coupant de Dieu. En nous détournant des autres et même en nous écartelant au dedans de nous-mêmes. À la manière d'Arpagon, fasciné par les chiffres de son compte en banque, la séduction de l'argent rend parfois incapable d'une saine et simple relation à l'autre. Ainsi, le riche qui découvre trop tard que Dieu se cachait sous les traits du pauvre Lazare. D'où ce proverbe espagnol, Si tu veux te rendre invisible, fais-toi pauvre. Drame de la richesse qui rend aveugle et qui ferme le cœur de l'homme. Cette richesse qui n'autorise à côtoyer que ceux dont la richesse égale au moins la mienne. Et cela peut aller jusqu'au meurtre. Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez s'exclame l'apôtre Jacques. Un certain nombre d'assassinats contemporains, assassinats industriels, commerciaux ou financiers, sont là pour en témoigner. L'argent constitue une révélation de mes peurs et de mes manques d'être. D'une manière ou d'une autre, l'argent a toujours fondamentalement un usage de sécurisation. Il s'agit de calmer la peur. Peur de l'avenir, peur de la solitude. Peur de la mort. Luc nous décrit l'insouciance du riche qui se complait en ses réserves, comme si demain lui appartenait. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte Puis il se dit, voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous adresse une mise en garde. Elle nous dit combien l'argent est expression de la liberté de l'homme. Les relations entre Judas et l'argent servent dans les évangiles de contrepoint à la pratique de Jésus. Au soir du dernier repas, Judas accomplit sa trahison. Il va trouver les grands prêtres pour en préciser avec eux les modalités. Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent, il accepta. L'argent versé semble ici conserver sa fonction libératrice. Il donne aux grands prêtres le sentiment que leur dette est épongée et que la faute repose sur le seul Judas. Même si ce sentiment est illusoire, Judas le partage pleinement. Une fois son forfait commis, pour se décharger de sa faute, il va restituer l'argent. Mais les grands prêtres refusent pour ne pas assumer la responsabilité qu'ils ont su éviter. De toute évidence, l'argent ne représente pas dans ces passages d'Évangile un simple moyen d'échange. Il signale au contraire la liberté des acteurs du drame, comme le laisse transparaître l'expression utilisée par les grands prêtres, le prix du sang. Ici se manifeste le caractère ambigu de l'argent, qui peut être utile pour trahir ou pour sauver, pour s'approprier l'esclave ou pour le racheter, et la liberté laissée à l'homme de servir ou de trahir son Dieu. La Bible nous met en garde contre le drame d'accaparer pour ma puissance ce qui m'a été confié en... Gérance. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable Nous ne sommes que des gérants de nos vies et de nos biens, et nous devrons rendre compte de notre gestion. Qui possède qui Est-ce que je possède mon argent ou est-ce que c'est mon argent qui me possède À qui appartiennent les fruits de ma vie Si je les accapare, je les stérilise et je me prive de toute authentique fécondité. Enfin, la Bible nous donne comme une ultime mise en garde qui pourrait sembler insurmontable. Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bigre. Une exégèse inspirante nous dit qu'il existait dans la muraille de Jérusalem une porte qui s'appelait la porte de l'aiguille. Et les chameaux avaient la possibilité d'y passer à deux conditions. Se délester de tous les bagages qu'ils portaient et se mettre à genoux. Ce que les chameaux ont la capacité de faire, comme vous le savez. Se délester de tous ces bagages et se mettre à genoux. Nous en arrivons au point 2, qui fait reflet sur la page que vous avez entre les mains, l'argent serviteur par excellence. Ayant été élève de Jean-Pierre Jouy à Sciences Po, vous voyez le souci de l'équilibre. L'argent est un bien. Jésus use de l'argent sans réticence. Jésus n'a jamais connu la misère, au sens matériel du terme la condamnation de l'argent ne va pas chez lui jusqu'à supprimer la bourse commune luc note que quelques femmes de la bonne société les aidaient de leurs biens et la pratique de jésus fut d'une civilité exemplaire il ne condamne en rien l'impôt payé à l'occupant romain jésus a des amis qui sont des hommes riches à commencer par simon le pharisien joseph d'arimathie ou encore nicodème et jésus insiste sur le fait que le travailleur mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire et la juste rétribution est donc un dû. Le prix du travail devient dès lors une joie méritée, bénie de Dieu, et l'argent ainsi perçu, bien utilisé, libère des soucis, épanouit, conduit à la paix. Sagement géré et décemment dépensé, il fait l'homme digne et le rend libre. La parabole des ouvriers de la 11e heure est explicite sur ce registre. Elle nous dit combien le maître se soucie du travail et de la dignité de chacun. En convenant d'une pièce d'argent pour la journée, le maître offre ce qui est nécessaire pour vivre pour une famille au quotidien à l'époque. Et il va donner la même pièce d'argent à ceux qui ont enduré le poids du jour. Comme à ceux qui n'ont commencé qu'à la onzième heure. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et au fond, cette attitude de Jésus est celle qui a prévalu longtemps dans notre culture. Ainsi, en droit public français, le traitement d'un fonctionnaire n'est pas lié à la quantité ou à la qualité de son travail, mais correspond à ce que l'on estime nécessaire pour qu'il vive. Dignement. Le traitement d'un instituteur en 1890 ou en 1930 n'avait rien à voir avec son rendement et tout à voir avec sa dignité. Et il en est exactement de même pour les militaires. La solde des militaires rémunère un État et non pas un travail ou une production. Ce qui explique que quand on est fonctionnaire ou que quand on est militaire, eh bien, on vit décemment, mais on ne fait pas fortune. Quel écart avec la logique salariale et managériale qui prévaut aujourd'hui sur tous les registres de l'activité économique. Restent peut-être encore dans cette logique biblique les professeurs d'université, les membres encore présents dans le corps de l'inspection des finances, les gardiens de phare, les chercheurs du CNRS, les permanents syndicaux et les membres du clergé. La question avec l'argent, ce n'est pas celle du montant du stock, c'est celle de l'usage, du flux. Parce que l'argent peut être une grâce de partage, il peut nous aider à traduire notre amour, à œuvrer pour la justice, à faire grandir le respect, il peut nous aider à tisser des liens, à réconcilier des cœurs, il peut nous aider à rendre des gens heureux. Donc la question n'est bien pas celle du stock, mais celle du flux. Heureux non pas celui qui a les mains vides, mais celui qui a les mains ouvertes. L'argent serviteur par excellence, l'argent libère. C'est un lieu de liberté, d'égalité, de dignité et de responsabilité. Le pouvoir libérateur de l'argent est vécu depuis le XVIIIe siècle comme le vecteur de deux valeurs chères aux lumières, la liberté individuelle et l'égalité. L'argent permet de rompre les relations de proximité et les liens familiaux pour acheter plus loin, plus tard, à un fournisseur anonyme selon les critères arbitraires de celui qui paye. Le mendiant qui préfère l'argent au sandwich de même valeur, ou encore l'enfant qui préfère l'argent de poche au cadeau en nature, Sentent tous les deux immédiatement que l'argent, c'est une liberté. Liberté limitée à l'espace du marché, certes, mais liberté réelle. L'argent, c'est aussi une forme d'égalité. Mon argent vaut bien le vôtre, quelles que soient mes qualités propres ou mes intentions. Mon argent, c'est aussi une expression de ma dignité. La Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre prévoit qu'ils doivent recevoir un pécule minimum au quotidien. Pour s'acheter du dentifrice et des timbres. On donne aussi un pécule minimum aux séminaristes. Ça maintient une part de dignité et d'autonomie. Mon argent, c'est aussi un lieu de responsabilité, ce qui traduit le respect de la propriété privée par la tradition biblique. Il faut bien comprendre que si la misère matérielle est un mal, la pauvreté est une libération. Il faut bien distinguer misère et pauvreté. La misère, c'est un mal qu'il faut combattre avec la plus ferme énergie, toujours et partout. Elle a une dimension déshumanisante. La pauvreté est au contraire une libération. Le vœu de pauvreté que font tous les religieux dans l'Église catholique ne signifie pas qu'ils auront faim, froid ou qu'ils manqueront de l'essentiel. Le vœu de pauvreté est l'expression de l'acceptation libre de ne pas posséder à titre personnel, mais de mettre tout en commun et de s'en remettre à son supérieur légitime quant à l'usage des biens de ce monde. À la vérité, les religieux sont assurés de ne jamais manquer de rien, mais ce vœu les libère d'un souci pour les aider à se concentrer, à se consacrer à l'unique essentiel. Et nous comprenons que la pauvreté, c'est une vertu. C'est un regard porté sur le monde que je ne cherche pas à exploiter ou à posséder, mais dont j'use avec une frugalité qui m'allège et me vivifie. Il convient donc bien de distinguer l'état physique, la misère, l'abondance, de l'état spirituel, la pauvreté, la richesse. La pauvreté est la disposition spirituelle de celui qui sait qu'il reçoit tout de Dieu qu'il est arrivé nu en ce monde et qu'il repartira tout aussi nu. Les linceuls n'ont pas de poche et on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Il ne s'agit pas évidemment d'être le plus riche de son allée du cimetière. La pauvreté du cœur, première des béatitudes, ouvre à la vérité de la relation avec Dieu, avec mes frères, avec moi-même. Dans la prospérité économique, le risque est grand de se faire illusion sur son indigence spirituelle. Je cite le livre de l'Apocalypse, Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne vois donc pas, c'est toi qui es pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Et le magnificat de Marie est ici étincelant. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. L'argent serviteur par excellence est enfin un révélateur. L'usage de l'argent révèle la hiérarchie de mes priorités. Nous avons tous à notre disposition deux instruments extraordinairement éclairants pour nous indiquer quelles sont en vérité la hiérarchie de nos priorités. Et par grâce, nous sommes les seuls à en connaître le contenu. C'est notre agenda et notre relevé de compte en banque. Si quelque chose est important pour moi, d'une manière ou d'une autre, ça figure dans mon agenda et ça figure sur mon relevé de compte en banque. Que je ne me paye pas de mots, que je ne me fasse pas d'illusions. Lorsque rien ne figure ni sur l'un ni sur l'autre, cela signifie simplement l'absence d'importance dans ma vie. L'argent révèle la distinction entre les biens de nécessité, les biens de confort et le superflu. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa deux piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. La question n'est pas de donner peu ou beaucoup, la question est de savoir si je me donne tout entier au Seigneur. La tradition biblique affirme qu'une part des biens de confort et que la totalité du superflu ne peuvent être gardés jalousement pour soi. C'est la tradition de la dîme, le don de 10% de mes revenus, qui est une exigence de justice. Nous ne sommes que les gérants des biens que nous avons entre les mains au service du bien commun. Nous ne sommes propriétaires de rien. Ne nous faisons pas d'illusions sur la valeur de nos actes. À force de bien mesurer nos dons, nous sommes bien vite dans la demi-mesure. Et cela conduit à cette exclamation bouleversante de saint Vincent de Paul Heureusement pour les pauvres qu'il y a les pauvres. Eux savent donner. Seuls les pauvres savent s'accueillir, se comprendre, s'aimer. C'est Mère Teresa, apportant du riz à une famille de huit enfants totalement démunis. Elle voit la mère de famille faire deux parts et puis sortir. Quand elle revient, elle lui demande, Mais où êtes-vous allé Chez mes voisins d'en face. Eux aussi ont faim. L'argent nous révèle enfin la destination universelle des biens et la consommation maîtrisée. Ambroise de Milan s'écrit, Ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse aux pauvres tu lui rends ce qui lui appartient. Car ce qui est donné en commun pour l'usage de tous, voilà ce que tu t'arroges. La terre est donnée à tout le monde et pas simplement aux riches. » Et Paul VI d'ajouter, « Il faut satisfaire aux exigences de la justice de peur que l'on offre comme don de charité que ce qui est déjà dû en justice. » Toute la thématique contemporaine de la croissance durable de l'économie frugale et de la consommation maîtrisée, largement sous la contrainte des réalités de notre terre, nous conduit à un examen de conscience qui est sans doute d'abord et avant tout spirituel. Alors, quand vous regardez le plan que vous avez sous les yeux, l'argent idole par excellence, l'argent serviteur par excellence, on pourrait se dire que nous avons là une excellente note au ministre faite par un conseiller technique qui, lui balassant un aspect puis l'autre, va permettre à l'édile de prononcer quelques paroles apaisantes, conduisant à poursuivre et persévérer dans cette logique éternelle. Mais là, il nous faut tourner la page. Et d'une certaine manière, entrer dans une toute autre dimension. Il faut d'une certaine manière faire exploser le cadre. L'argent lieu de la charité par excellence. Au fond, l'argent dans l'Évangile, il est d'abord et avant tout l'expression de la grâce divine. C'est ce que nous illustre la parabole des talents. Ce don, cette grâce, qui attend son accomplissement dans des œuvres efficaces voire mesurable. Nous sommes dans une logique de la gratuité, puisque le fruit de cette grâce est une grâce plus abondante encore. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. L'argent, dans l'Évangile, c'est aussi le symbole du Christ absent. Le trésor caché dans le champ, la perle de grand prix, la drachme perdue, autant d'images monétaires qui désignent quelque chose d'incomparable sans comme une mesure avec le coût et l'effort nécessaire pour l'obtenir. Il y a là autant d'images paradoxales de la gratuité du royaume. Et cette gratuité prend un visage d'homme. Non pas qu'il y ait une confusion simpliste entre le Christ et l'argent, mais parce que l'argent dans ces paraboles évangéliques représente le Christ absent. La parabole du bon samaritain renforce le trait le samaritain, selon l'évangéliste Luc, laisse à l'aubergiste deux deniers à défaut de sa présence. Il poursuit son voyage, signe efficace de compassion. La grâce, c'est la gratuité, ce qui a tellement de valeur que cela n'a pas de prix. L'argent, c'est aussi l'expression d'une dette. Lorsque l'on parle de dette et de créance, très vite nous avons le tournis. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de comptabilité, mais dans les bilans, c'est absolument extraordinaire. Les choses se retrouvent à droite, à gauche, partout. On a l'impression que c'est comme le furet du bois joli. Euh, L'argent est d'un côté et de l'autre, il est partout, il est nulle part. Je vais essayer d'aller droit au but. Les injections de Jésus balisent le discernement. Prêter sans rien attendre en retour. Faites vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. On dirait qu'il faut créer avec l'argent un réseau de débiteurs qui ne paieront pas en argent, mais en reconnaissance de ce qu'il y avait de divin dans le geste du donateur. C'est la phrase de Jésus au jeune homme riche Va vendre tout ce que tu possèdes, donne le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis moi. Tous ces commandements mettent en valeur une dette morale. Autrement dit, lorsque je donne mon argent aux pauvres, j'ai une dette morale sur le Seigneur. Et il y a un lien fort entre dette et argent. Dette et argent sont liés pour deux raisons. D'abord parce que l'argent permet d'éteindre la dette. Comme disent les juristes, c'est son pouvoir libératoire. Je paie, je suis libre. Ensuite, parce que l'argent est une créance. Il n'y a pas de créancier sans débiteur. L'argent est une créance à vue sur une communauté de paiement. Créance à vue puisqu'à tout moment, elle peut être exercée à l'encontre d'un vendeur. Vous voyez déjà, votre tête commence à tourner. Furet du bois joli. Une créance universelle reconnue par la communauté de tous ceux qui acceptent mon argent en paiement de ma dette. Autrement dit, en donnant de l'argent à l'autre, je lui donne une créance sur moi. En payant, je suis quitte, dit l'homme moderne. En payant, je transmets une dette, suggère l'Évangile. Dans un cas, je suis tourné vers moi-même. Dans l'autre, je suis tourné vers le prochain. Voilà deux attitudes opposées qui s'inspirent de deux esprits différents dont l'argent est le même et unique vecteur. Et nous voici arrivés au point central de mon propos. Il s'agit de se savoir toujours en dette. Si l'on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, ce n'est pas à cause d'une concurrence entre le Christ et l'argent. La vraie raison est que Dieu renvoie à la posture de celui qui se sait toujours en dette vis-à-vis -vis de son prochain. Mammon illustre à l'opposé l'attitude d'indépendance illusoire du puissant indépendance illusoire, car selon le mot de Kierkegaard, vis-à-vis -vis de Dieu, je suis toujours en dette. Et nous en arrivons au dernier point. L'argent comme l'expression d'un don. La fécondité de l'argent tournée vers le prochain. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il s'agit de passer à une logique de don à la mesure du besoin et des capacités de chacun. Dans l'Évangile, plusieurs passages nous le disent de la manière la plus explicite. C'est cet homme qui a une dette de 10 000 talents vis-à-vis -vis de son maître, une dette inextinguible. Le maître la lui remet et il se précipite alors sur quelqu'un qui lui doit 100 sous et lui fait rendre gorge. Il s'agit... De réaliser que nous sommes tous d'abord et avant tout bénéficiaires du don de Dieu. Nous recevons toute chose en pure gratuité. Si je reste dans ma logique strictement humaine et comptable, c'est la désespérance. Lorsque nous donnons un, ce qui compte, c'est que notre un soit notre tout. Mais l'histoire de la veuve de Sarepta, elle met un, mais elle reçoit mille. Le un est son tout, et le mille est son besoin. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi à ceux qui sont nos débiteurs. Nous ne pouvons entrer dans la logique du don de Dieu qu'en tant que notre regard se transforme. Et qu'en tant que nous vivons et que nous devenons acteurs de ce don pour ceux qui nous entourent. C'est la parole fondatrice du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est à la mesure dont vous faites miséricorde qu'il vous sera fait miséricorde. Quand je réalise que ma dette vis-à-vis -vis de Dieu est infinie. Et que je suis, qu'elle m'est donnée en pure gratuité. Je ne peux en bénéficier que dans la mesure où je rentre dans cette dynamique de gratuité. C'est avec la même main que je donne et que je reçois. Si ma main est ouverte pour donner, elle est aussi ouverte pour recevoir. Et j'ai infiniment plus à donner qu'à recevoir. Quel drame d'avoir le point fermé. Quelle merveille que d'être ouvert au don. Ne pas avoir peur de donner sans réserve pour être prêt à recevoir plus encore. Quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou chant à cause de mon nom recevra bien davantage en ce monde et en aura en héritage la vie éternelle. Finalement, en quelques mots, que nous dit l'Évangile L'essentiel ne s'achète pas, il se reçoit. Il s'agit en toute chose de passer du mérite à la grâce. L'argent n'est ni Dieu ni maman. Il renvoie en permanence au discernement qui ouvre la voie étroite, réaliste et salutaire, qui s'éloigne autant du rêve que de la fascination. Et la question fondamentale demeure, en qui en quoi est-ce que je mets ma confiance Quelle est ultimement mon espérance À quel engagement de charité suis-je ici et maintenant personnellement convoqué Je vous remercie de votre attention. Merci, merci mon père de cette intervention euh, si riche. Je, je me permettrai, si, si vous voulez bien m'y autoriser, de vous dire que parmi le lot de tous ceux qui se satisfont de la, dé de la décence, il n'y a pas seulement que les inspecteurs des finances, M. Jouillet, il y, a, il y a de temps en temps aussi les avocats, même si ça n'est pas leur réputation principale, car je crois qu'on les connaît mal oui, il y a le pro bono. oui, oui il y a le pro bono. Et puis, puis il y a le fait que parfois les choses sont ainsi faites qu'on peut rêver à l'argent sans néanmoins y atteindre. et, et, et c'est une forme de vertu un peu obligatoire mais qui peut permettre de réfléchir. je, je me posais une question avant de, de savoir si au titre de votre sujet, l'argent, valeur absolue, il y avait eu un, un regret définitif, une sorte de constat désespéré, ou au contraire un point d'interrogation qui nous ferait cheminer vers d'autres voies. Euh, si l'idole que représente l'argent, et dont vous disiez, mon père, tout à l'heure, que cette idole devant laquelle on se prosterne, on se prosterne comme si elle était susceptible de nous ouvrir l'infini ou la voie éternelle. La vraie question à mes yeux, c'est celle de savoir si il n'existe pas à force d'avoir des préoccupations d'argent dont vous êtes le grand gestionnaire, Monsieur Jouillet, puisque vous êtes même aux yeux du père de Romanet celui qui finalement lui a tout appris sur l'argent. Vous <laughs> avez là, vous avez là une sorte de dette, si je puis dire, au moins morale, considérable. Mais le fait de savoir s'il n'y a pas deux catégories d'individus, ceux qui finalement ne se prosterneraient pas devant la finitude parce qu'ils savent qu'il y a là une sorte de cheminement désespéré, et ceux qui, préférant le iketnunk, renonçant à l'idée même qui peut-être a quitté leur esprit de la vie éternelle ou, pour être plus laïque encore, de l'infini, se prosterneraient devant n'importe quoi un peu pour se rassurer et peut-être pour se consoler de cet oubli qu'en pensez-vous je remercie je remercie monsieur le bâtonnier je, je, je crains pour euh, que la seconde attitude que vous avez euh, décrite soit euh, soit devenue majoritaire, d'où le fait que l'on est euh, que j'ai cet exposé. J'en remercie son éminence, monseigneur, et vous-même, Monsieur le bâtonnier, euh, de pouvoir m'exprimer ici euh, devant vous euh, ce soir. Pour reprendre ce que vous avez dit. Il faudrait qu'il y ait encore euh, quelque chose ou devant quoi se prosterner. Mais j'y reviendrai, parce que c'est une des questions sur lesquelles on peut s'interroger dans les fonctions que j'ai. Permettez-moi tout d'abord de remercier Son Éminence de m'avoir invité à m'exprimer sur ce thème euh, au sein de ce lieu, le Collège des Bernardins, que j'affectionne tout euh, particulièrement. Et j'y suis d'autant plus sensible que la crise financière actuelle, récemment qualifiée de très préoccupante, invite à la retenue, mais également au débat. Parce que la préoccupation, pour répondre à ce que vous avez dit, euh, monsieur le bâtonnier, euh, la préoccupation présente, paradoxalement, elle vient euh, du manque de liquidité dans les circuits d'alimentation de l'économie. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais je vais euh, y revenir. Je voudrais remercier euh, euh, le père Antoine de... Romanet, non pas au nom de l'inspection des finances, comme vous l'aurez compris, personne n'est parfait, euh, le remercier en revanche pour, euh, effectivement j'ai une dette morale à son égard, parce que l'élève a dépassé le maître et pour ce qu'il a dit euh, sur euh, l'enseignement de sciences politiques, le remercier aussi pour euh, ce qu'il a euh, dit des, euh, de Jésus et du fait que Jésus avait des amis qui étaient des hommes riches, mais qu'effectivement, il y avait tout un réseau débiteur de reconnaissance qui s'était établi. Je le remercie d'avoir dit cela ce soir avec moi, de le partager, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu dans le discours politique ces dernières semaines, ça me fait du bien. Donc de cela, je sois remercié. Et euh, je le remercie aussi, là, au nom de l'autorité des marchés financiers, parce que je, euh, je le dis devant vous, monsieur le bâtonnier, que c'est bien l'autorité. Euh, je serais très heureux de bénéficier de ses compétences en matière de bilan, euh, en matière de remise de dette et en matière d'analyse de confiance et de défiance à l'égard euh, de la finance. Parce que c'est exactement ce que nous connaissons et ce à quoi nous euh, sommes confrontés ce soir. Donc mon père, soyez-en euh, euh, remerciés. Moi je souhaitais euh, insister sur trois points, mais beaucoup a été dit par euh, le père de Romanet, donc je, euh, par Antoine, donc je ne euh, j'essaierai d'être euh, bref. C'est premier point, c'est que l'argent... Monsieur le bâtonnier n'est pas une valeur en soi. Il ne doit pas l'être. Ça a été dit. Il doit rester un moyen à l'origine d'échanges. C'est un instrument utile. Il favorise la croissance économique, le développement. Comme le disait François Furet, l'argent, c'est-à-dire le développement du capitalisme commercial et industriel, est partout lié au développement de la liberté. Au-delà de l'échange, l'argent est aussi un instrument de relation entre les hommes. Il est la reconnaissance objective d'un travail d'une prestation ou d'une production. Il est aussi à l'origine du traitement dont le père de, euh, Romanet a, a, a bien euh, parlé, du traitement que reçoivent les fonctionnaires sur la base, non pas de dîmes mais d'impôts. C'est-à-dire, j'avais un ami qui m'expliquait toujours que nous étions, nous aussi, en tant que fonctionnaires, payés par les autres, ce qui est quelque part assez vrai. Faut quand même, le certes, Peggy a une vision plus sombre et moins positive de l'argent que François Furet. Euh, pour payer. cela a été, vous l'avez souligné, mon père. L'argent d'instrument de mesure est devenu un instrument de domination. Il disait l'instrument est devenu la matière et l'objet et le monde. L'argent peut devenir une fin en soi, c'est ce qu'on appelle communément l'argent roi. Euh, Peggy conclut sa fameuse euh, note conjointe en clamant De là est venue cette immense prostitution du monde moderne. Elle ne vient pas de la luxure, elle n'en est pas digne, elle vient de l'argent, de cette universelle interchangeabilité. Parole prophétique, car, euh, pour reprendre Stéphane Zweig, prononcée dans le monde d'hier et avant les crises de 1929 et la crise actuelle qui lui ressemble de plus en plus. D'ailleurs, pour beaucoup, ce rapport à l'argent, illustré par une forme de libéralisme sans foi ni loi, appliqué partout sans inspirer le nécessaire respect, corrompt et crée ainsi les germes de sa destruction. La réflexion économique et financière, M. Bâtonnier, ayant pris son autonomie par rapport au bien commun. Et la crise actuelle a braqué les projecteurs sur ce divorce, symbolisé par une financiarisation des marchés sans rapport avec une croissance. Occidentale, je si bien occidentale, aujourd'hui en Berne. Deuxième élément de réflexion, c'est que la soif d'accumulation et de richesse peuvent aussi mettre des distances, et cela a été dit parfaitement par Antoine, euh, entre les hommes. C'est la parabole du pauvre de Lazare, mais nous avons du mal à retenir cet enseignement. Alors, vous pouvez constater que durant toutes les périodes où l'argent a dominé, qu'il s'agisse des périodes de spéculation freinée, d'accumulation de richesses, elles se sont presque toutes terminées de manière tragique. Et, et prendre quelques exemples historiques la chute des grandes banques florentines annonce la fin du Moyen Âge, la déroute du système de l'as au XVIIIe siècle en France préfigure les troubles financiers qui, à bien des égards, sont à l'origine de la Révolution française. Plus marquant, c'est bien la soif de l'or, l'accumulation de cet or, qui coïncide avec l'effondrement. Des deux plus riches nations d'Europe au XVIe siècle, l'Espagne et le Portugal. Cependant, et au-delà de ces crises récurrentes, de comportements individuels déviants, l'argent est demeuré jusqu'à ces dernières années un instrument d'échange. Il l'est demeuré jusqu'à ces dernières années. Et. Et je crois que d'ailleurs, la traduction dans laquelle nous avons vécu, judéo-chrétienne, avait permis de poser des limites morales et de proposer une certaine forme d'éthique du capitalisme. Cela a été rappelé dans son introduction par son éminence. Et il est donc légitime de s'interroger sur le lien entre une très forte sécularisation de la société et les développements de la crise financière que nous connaissons maintenant. Stephen Green, qui est l'ancien patron d'HSBC, qui est actuel ministre de Sa Majesté. Manche décrit très bien le dilemme du financier du début du, 20e, du 21e siècle se regarder devant la glace et se demander si ce qu'il fait est utile ou non au bien commun. Pour que l'ancien président d'HSBC, dans un livre que je, dont je recommande la lecture, qui est sur les valeurs financières, c'est un homme également de valeur, dise cela c'est vous dire où en sont nos repères, où en sont les repères des décideurs financiers. Et c'est bien tout le, euh, tout le problème que nous avons à traiter aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à un problème plus structurel qui caractérise ces dix dernières années. C'est que aujourd'hui, véritablement, il y a une extraordinaire financiarisation de l'économie. J'ai repris des repères historiques, mais ce qui différencie la période actuelle de ce que nous avons connu au cours des dernières décennies, c'est cette financiarisation, et ce qui fait, Monsieur le Bâtonnier, qu'on peut se demander, pour reprendre Peggy, si d'instruments d'échange, nous ne sommes pas en train de vivre une période avec des crises que je vais essayer de décrire, euh, une période où l'argent devient instrument de euh, domination. Et pour le régulateur que je suis ou que j'essaie d'être, le principal défi est de savoir comment nous passons de l'hyperfinance à un système économique et financier refondé. Voilà le centre de mon propos. L'hyperfinance, elle se caractérise par une excroissance du secteur financier, une captation de la richesse par le secteur financier, un développement fondé sur l'augmentation des dettes et de forts effets de levier. Excroissance du secteur financier, c'est que la dimension de la sphère financière est aujourd'hui très largement supérieure à celle de la sphère économique réelle. Que regroupe ce développement À l'origine, pour se couvrir des risques de change, des variations de prix, les industriels, les producteurs ont commencé à organiser des opérations de couverture qui leur permettaient de neutraliser par une opération financière sur le change ou sur des contrats dits à terme la variation d'un actif, que ce soit du maïs, que ce soit le pétrole, que ce soit aujourd'hui du CO2. Et euh, donc, pour se couvrir, on a créé des marchés à terme. Le père de Romana, qui a vécu longtemps aux États-Unis, sait bien que depuis le milieu du 19e siècle, aux États-Unis ont été développés des marchés à terme. Et que le principal marché à terme mondial est aujourd'hui à Chicago et qu'il y ait une opposition, d'ailleurs, aux États-Unis entre New York et Chicago en termes d'influence financière. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que l'on assiste depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, à un développement considérable et disproportionné de ces marchés par rapport à leur utilité économique, et que l'on s'interroge sur l'utilité de ces marchés en termes de croissance économique, en termes de cohésion sociale, et que certains, y compris parmi les régulateurs, se demandent si nous ne sommes pas rentrés dans une zone de financement, j'allais dire, à rendement décroissant. Non pas pour les financiers, mais pour les autres acteurs économiques. Dans, vous voyez la crise, par exemple, des, 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 des subprimes, c'est qu'elle a montré que cette excroissance du secteur financier s'était accompagnée d'une... Plus grande opacité des marchés financiers, c'est que non seulement nous sommes, nous avons affaire à une expansion de la sur financière, mais que celle-ci devient très opaque. Ce qui par rapport à ce qu'a indiqué euh, Antoine de euh, Romanet est également très important, et par rapport aux enseignements euh, de Jésus-Christ est également très très fort. C'est que là vraiment on a affaire à un monde qui s'est très fortement développé, où les rendements au bénéfice de la société sont décroissants, mais où qui plus est, ne règne pas la transparence, où règne l'opacité. Et je reprends l'exemple de euh, 2008, les, tous les régulateurs ont essayé de savoir, où se trouve, je reprends l'expression d'Antoine, dans les bilans où se retrouvaient les actifs, où étaient les passifs, et dans un premier temps, personne n'était en mesure de dire où les risques se trouvaient. En 2008. Dans un second temps, personne ne pouvait avec certitude décrire les risques pesant sur un établissement, d'où la défiance des établissements entre eux, la perte de confiance, pourtant élément essentiel des marchés, le gel du marché interbancaire et, partant, en raison d'une impossibilité à se refinancer, la faillite de certaines banques. Toute comparaison avec ce que nous vivons aujourd'hui serait bien sûr de mauvaise alloi. Deuxièmement, une captation de la richesse par le secteur financier. L'argent est devenu une industrie en soi. Ce n'est plus un objet d'échange. Et j'emploie à dessein le terme industrie, car c'est ainsi que notamment on en parle dans les colloques financiers anglo-saxons. Ceci est révélateur du caractère autocentré de la finance mondiale. Ce n'est plus le service qui rassemble l'investisseur et l'entrepreneur ou qui permet au producteur de se couvrir des aléas climatique ou euh, des euh, aléas énergétiques, mais une activité qui trouve sa fin en soi. Et ce qui est le plus frappant dans l'acceptation de la richesse par le secteur financier, c'est ce qui a été indiqué, ce qui est dit, parce que ce qu'on lit est parfois vrai, ça se traduit quand même dans l'excroissance des rémunérations. Et il faut dire que l'écart de salaire entre le secteur financier et le secteur industriel en 1970 était de 0,5. En revanche, aujourd'hui, l'écart est supérieur à 10 entre le secteur financier et le secteur industriel à compétences équivalentes. Et aujourd'hui, à Wall Street ou à Paris, un opérateur de marché, comme on dit publiquement, gagne 10 fois plus d'argent que dans les années 90. Tout ça... Pour vous euh, dire qu'il y a bien un phénomène de captation, comme il y a des phénomènes de captation de rente, parce que le plus grand bénéfice de la finance se fait au service des opérateurs eux-mêmes, plus qu'au profit de la croissance de l'économie. Et ça le, le, le problème actuel. Et ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est, cela a été également souligné, c'est que les plus brillants donc, pas forcément les inspecteurs des finances, cher Antoine, mais les ingénieurs de centrales, de polytechniques, vont plus facilement mettre leur talent au service des salles de marché, au service d'une certaine sophistication financière, que de l'industrie automobile ou aéronautique. Et moi, dans ces dernières années, c'est ce qui m'a le plus frappé, y compris dans notre pays. Et ce n'est pas un phénomène dont on aurait été absent par rapport euh, aux pays euh, euh, anglo-saxons. Et euh, vous voyez que là, il y a un certain, une certaine perte de repères, notamment euh, pour les plus jeunes. Et c'est ça qui me fait le plus peur aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd je, je, je prends, dans, vous aviez, quand on compare la situation actuelle, des situations de bulle financière avec une bulle industrielle. Internet a été une bulle industrielle, c'est une bulle technologique. Il y a eu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent de manière excessive, et il y a des gens qui en ont perdu beaucoup. Mais ça a été assez équilibré. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup perdu. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui C'est que vous pouvez constater, vous prenez Lehman Brothers, vous avez des faillites bancaires. Mais le patron de Lehman Brothers, M. Dinkfeld, il est toujours aussi riche. Il est très riche. Les lois des, 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 des actionnaires. Et pourquoi C'est parce que dans le secteur financier comme dans d'autres secteurs, mais c'est plus marqué dans le secteur financier. V votre rémunération, Antoine l'a indiqué, est indexée sur les, les rendements qu'attend l'actionnaire, avec des retours de, toujours de, de plus en plus importants. On s'étonne des rémunérations du secteur financier, mais quand cela vous permet de, euh, de, 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 de rémunérer quelqu'un 10 millions d'euros, alors que le gain pour euh, la sphère financière est dans la journée ou euh, dans le mois de 50 millions d'euros, ce n'est pas un problème. La rémunération devient une variable d'ajustement par rapport à un rendement qui est toujours plus euh, euh, important. Et donc, chercher à s'enrichir n'est pas un phénomène nouveau, mais en faire le but est unique d'une activité professionnelle au point de s'affranchir de toute règle déontologique. Cela, en plus, je ne me permettrait pas. Ici, de, 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 de viser quelque institution que ce soit, mais enfin, on l'a vu encore récemment, euh, cela devient un, 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 un vrai problème. L'argent devient ainsi euh, une idole, un absolu qui se substitue à toute autre valeur, et in fine, cela a été dit par Antoine, à Dieu lui-même. Et c'est le fait que ça, ce soit, ça devienne une valeur, surtout pour les jeunes générations, surtout par, parmi les plus jeunes, comme. Également, le sont les stars du sport ou, de la, ou du, 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 du showbiz qui me fait le, euh, avoir les, les, les plus grandes craintes parce que que, que l'argent devienne l'aspiration la plus profonde des jeunes en Europe et ailleurs, la référence ultime, c'est ce qui me paraît être la dérive la plus inquiétante pour demain, notamment en Occident, notamment en Occident parce que. On dit toujours, ce qui est vrai, en Chine, au Brésil et dans d'autres pays, vous brassez aussi énormément d'argent, la financiarisation est extrêmement forte. Mais dans les pays émergents, la très grande différence entre les pays émergents aujourd'hui et ce qui se passe en Occident, c'est que la financiarisation, elle accompagne véritablement des surplus en termes de croissance, en termes d'expansion, en termes de développement économique. Je ne dis pas qu'il est toujours égal, mais vous avez au moins cela. Alors qu'en Occident, vous avez un divorce, comme je l'ai dit, entre les deux sphères, qui est euh, très, très, euh, très, très fort. Troisième élément, c'est que nous avons aujourd'hui un développement qui est principalement fondé sur l'augmentation des dettes et. L'effet de levier, ça c'est extrêmement important. Dans les dix dernières années, les dettes publiques comme privées ont explosé. La dette privée représente au Royaume-Uni, où la situation est très emblématique, plus de 150% du revenu disponible brut contre 90% il y a dix ans. La dette publique française, je n'y reviens pas, est environ de 85% de la richesse nationale contre 60% disons dix ans auparavant. Et elle dépasse 100% dans des pays comme l'Italie et également le, au Japon. Non seulement une partie de la richesse considérable généré par les marchés financiers n'a pas permis de supporter le coût croissant des dépenses publiques tant il est vrai que la finance est aujourd'hui mondialisée et s'installe là où on ne la taxe pas mais plus encore, le développement de mécanismes de marché nouveaux, accompagnés par des politiques monétaires très accommodantes, ont conduit à un développement d'une croissance dans les pays occidentaux fondée sur l'endettement fondée sur la dette. Je ne reprends, je reprends pas ce qu'a dit Antoine, mais là, ce qui est important c'est que cette croissance sur l'endettement, de l'endettement, qu'il soit public ou privé, a bénéficié non seulement davantage à la sphère financière qu'à d'autres sphères, mais deuxièmement, profiter davantage à ceux qui avaient le plus par rapport à ceux qui avaient le moins. Parce que ce sont toujours ceux qui ont le moins, on l'a vu avec les surprimes, on le verra avec les dettes publiques, qui payent davantage les dettes et le remboursement euh, de dettes. Alors, au vu de ces trois observations qui ne sont pas d'un optimisme débordant, comme vous pouvez le voir, je, je crois qu'il nous faut absolument refonder notre système financier. Et c'est en cela que je euh, garde foi. Pourquoi Parce qu'il est clair que si l'on ne change pas de euh, paradigme, on passera d'une croissance illusoire à une... Restriction d'activité, voire une récession pénible et durable. Vous avez, vous avez dit, euh, et le père également l'a souligné, nous sommes dans le cadre d'une crise financière durable. Plus fondamentalement, nous avons un modèle qui a généré de la cupidité d'un côté, des frustrations de l'autre. Je vous renvoie à ce que sont les euh, mouvements d'indignés, d'ailleurs dans, dans différentes régions du monde, et nous rend provoque également une montée des extrémismes, des populismes, de, de, de phénomènes qui sont extrêmement graves pour la cohésion sociale. Et on s'aperçoit que euh, si nous ne changeons pas de modèle, nous allons euh, véritablement vers une crise profonde. Et là, je reviens à ce qui a été dit. Vous, vous changez le terme commercial par financier, vous l'accompagnez de protectionnisme. Et vous apercevez que la crise de 2011 ressemble de très près à la crise de 1929. Je vous renvoie aux euh, réactions de repli des uns et des autres devant les efforts de solidarité financière qu'il conviendrait de faire pour alléger les dettes de telle ou telle, euh, soit entreprise, soit euh, pays. Et euh, il est évident que nous devons mettre, y compris et surtout en Europe, la solidarité au cœur de ce qu'elle devait être et que l'argent et le repli sur soi a euh, perverti. et comment refonder donc cette éthique d'un du, euh, euh, libéralisme social d'un libéral capitalisme qui a un certain nombre de, de règles? on pourrait, comme antoine, si je le suis, euh, penser qu'avec davantage de morale nous puissions y arriver. bien sûr qu'il faut de la morale et il faut davantage d'éthique, comme cela a été souligné. Mais il nous faut aussi, je le dis là dans mes responsabilités, davantage de règles et davantage de normes. Parce qu'il faut encadrer à un certain moment euh, ce développement d'un euh, argent roi. Et quelles que soient les régions, du monde, quel que soit le degré d'élévation des règles morales et religieuses, on s'aperçoit qu'il nous faut effectivement avoir un certain nombre de règles euh, nouvelles dans un certain nombre de euh, domaines pour obliger les acteurs économiques à faire preuve de prudence, de modération, mais aussi euh, de justice sociale. Je vais vous citer deux exemples qui doivent être revus et encadrés. Aujourd'hui, ce que sont les la finance de l'ombre, la finance parallèle, c'est-à-dire la finance qui n'est faite par des personnes qui n'ont pas de statut bancaire ou de statut de compagnie d'assurance, est aujourd'hui plus importante que la finance officielle. C'est-à-dire que tout ce qui est la finance se développe soit dans des fonds spéculatifs, soit euh, par des individus qui peuvent être, euh, euh, exercer leur activité que ce soit en Europe, en Asie ou dans d'autres pays est aujourd'hui plus importante. La part des transactions financières internationales qui ne sont pas aujourd'hui rapportées à des régulateurs est connue d'eux et supérieure à celle qui est rapportée aux régulateurs. Donc, vous avez un problème réglementaire. D'ores et déjà, et c'est un des enjeux très importants des négociations internationales à venir, de contrôler ce qu'est cette finance parallèle, cette finance de l'ombre. J'aurais dire, il n'y aurait que la finance, il n'y aurait qu'un argent officiel. Bon, ben après tout, on pourrait crier contre les dominants, contre les banquiers, mais euh, malheureusement, vous avez derrière une finance de l'ombre qui est encore plus forte. Puis, de, deuxième, je m'arrêterai là, je rassure le bâtonnier en termes de. Technique, encore qu'ils la connaissent aussi bien que moi pour bien connaître l'autorité des marchés financiers. Le deuxième changement structurel extrêmement important, c'est que vous avez une déconnexion, une déconnexion, pardon, totale entre ce qui se passe sur les marchés en termes technologiques et l'économie réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une seule personne dans une même journée peut passer un million d'ordres sur une même valeur. Et je ne sais pas si vous voyez passer, supprimer ces ordres. Et à la fin de la journée, vous demandez, mais qui en a bénéficié Qui a gagné Est-ce que l'économie a réellement gagné Vous avez des ordres aujourd'hui financiers qui sont passés à la microseconde. Ça pose deux problèmes. Est-ce bien nécessaire de faire ces investissements technologiques Là, je suis content pour les ingénieurs entre nous, mais est-ce bien nécessaire Est-ce que le rapport coût-avantage est très important Parce que vous dépensez beaucoup d'argent les établissements financiers dépensent beaucoup d'argent pour, pour cela. Et deuxièmement, c'est plus important est-ce que le rendement pour l'économie, en termes de liquidité, en termes d'apport de capital au financement d'investissement ou autre, est proportionné La réponse est non. Et donc, il nous faut très clairement encadrer ces nouvelles technologies financières et les encadrer, ça veut dire quoi Ça veut dire soit ralentir le système, c'est refroidir un peu le système, soit deuxièmement taxer pour faire en sorte que les, ces ordres et ces mouvements euh, très rapides le soient un peu moins et qu'on revienne à une situation beaucoup plus saine. Donc en conclusion, ce que je... Souhaitait souligner, c'est qu'il était impérieux de se ressaisir, que ce n'est pas un changement de degré, mais un changement de nature, que la crise qui est aujourd'hui, et à laquelle nous faisons face depuis 2008, quelles que soient ses caractéristiques, d'être privé en 2008, d'être public aujourd'hui, Europe d'un côté, États-Unis de l'autre, nous sommes aujourd'hui appelés à nous ressaisir et à faire en sorte que nous changions de nature, de modèle de développement. Nous sommes allons. Trop loin en termes de financiarisation de l'économie, sans que cette dernière en retire les profits. Nous devons le faire en Europe d'abord, où la crise doit permettre de faire avancer la construction d'une Union européenne plus forte et cohérente, et de en faire en sorte que, ayant une monnaie unique, celle-ci s'accompagne d'un projet plus ambitieux d'intégration. C'est là où je garde un certain degré d'optimisme, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, ce que nous avons refusé, on nous a pris de temps derrière des débats assez, sommes toute, assez doctrinaux sur certains euh, certain fédéralisme, ou pas de fédéralisme, ou deux choses, pas assez d'intégration tour d'intégration. C'est imposé aujourd'hui à l'Europe par les faits et que l'Europe est obligée de réagir et de trouver des mécanismes de décision qui permettent de répondre aux attentes des investisseurs et des citoyens. Le deuxième point, c'est que nous devons, vis-à-vis -vis de la mondialisation, qu'il faut regarder moins naïvement que nous l'a fait jusqu'alors, euh, disposer d'un euh, corpus de règles dans le domaine financier, dans les échanges, qui soient euh, plus respectueuses. De l'homme et qui servent davantage le développement euh, économique. Sur notre modèle économique de développement, enfin, il est clair que l'emprise de la dette, le poids des marchés sur le financement de cette économie est devenu trop important et que l'on doit arriver à un meilleur équilibre. Il est important que les décideurs et les responsables politiques partagent la même espérance, médite les enseignements de Vatican II sur la destination universelle des biens. Permettez-moi, Monsieur. Le bâtonnier, pour euh, conclure, par un auteur qui m'est cher, Bernanos, et qui rappelle qu'en tout sujet, la dignité de l'homme doit primer. Il disait La civilisation européenne n'est pas une civilisation de masse. La civilisation existe précisément pour qu'il n'y ait pas de masse, mais des hommes assez conscients pour ne jamais constituer des masses, même s'ils sont en ce, entre eux rassemblés. Merci beaucoup.